Bonjour à tous, bonjour Julien, bonjour Eric. Merci d'être là aujourd'hui pour parler de Green Logistics. Je vous propose de vous présenter rapidement en commençant par toi, Julien. Bonjour à tous, merci à KPMG pour l'invitation déjà. Donc moi je suis Julien Coach, je suis cofondateur et CEO de la société Wakeo. On propose une plateforme de suivi des flux internationaux, donc des flux intercontinents, vraiment sur les grandes plaques continentales et du multimodal. Donc c'est en maritime, en aérien, en routier, on accompagne des grands industriels et retailers. Bonjour à tous, donc moi je m'appelle Eric Léger, donc je suis directeur chez KPMG et en charge de la practice supply chain. Donc la practice supply chain, en fait on traite tous les sujets qui touchent la chaîne de la valeur, donc de l'amont jusqu'à l'aval, donc de la planification jusqu'au client. Merci Eric, merci Julien. Je suis Manon Besson, je suis consultante supply chain chez KPMG, je travaille dans les équipes d'Eric. Aujourd'hui on est ici pour vous parler de green logistique, de logistique verte, qui consiste à intégrer une démarche écologique dans les process de gestion de la chaîne logistique, et ce, dans une démarche de réduire son impact sur l'environnement. Et ça, sur toute la chaîne de valeur du produit, donc de sa conception, sa fabrication, son stockage, son transport, jusqu'à sa destruction. C'est un sujet qui est au cœur de toutes les discussions, notamment depuis le dernier rapport du GIEC qui nous dit qu'on n'a plus beaucoup de temps pour infléchir la courbe du réchauffement climatique. On voit aujourd'hui qu'il fait 5 degrés de plus que la moyenne en juin. En clair, il faudrait qu'on ait réduit nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Donc il y a une pression constante qui augmente sur les entreprises à mettre en place ces enjeux. On sent qu'il y a une dynamique qui se crée quand même chez nos clients, dans les entreprises. Des initiatives sont prises. On commence à avoir de plus en plus des objectifs de réduction d'impact carbone dans nos projets. La pression augmente par les réglementations, par les investisseurs qui demandent à intégrer des critères ESG dans leurs investissements. Les clients, bien sûr, qui s'attendent à des prises de position fortes de la part des entreprises sur ces sujets. Et bien sûr, la politique et les sujets sociaux. C'est une réponse qui est complexe quand même. Il n'y a pas de réponse toute faite à ces objectifs. Ça prendra du temps. C'est multilevier. On peut s'attaquer à la fabrication, aux matières, au transport, à l'énergie. Aujourd'hui, on va notamment s'intéresser au transport. Et ce n'est pas une petite partie puisque ça représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est le deuxième plus gros contributeur après le secteur de l'énergie. Donc Eric, je vais te laisser nous dire comment concrètement on peut commencer à agir, sur quel levier on peut agir pour réduire son impact dans sa supply chain. Donc au sein de la supply chain, on peut agir sur plusieurs impacts pour réduire les émissions à effet de serre. Mais si on revient un petit peu en arrière au niveau de la supply chain, aujourd'hui, hier plutôt, nos clients travaillaient sur des points isolés, c'est-à-dire que le bilan carbone, on en parle depuis maintenant une dizaine d'années. On travaille dessus depuis une dizaine d'années, mais de manière isolée. On ne travaille pas au global sur la supply chain. Et si on veut avoir des effets demain sur cette supply chain, il faut forcément avoir une vision globale. Donc pour faire des gains et pour réduire ces réductions à gaz à effet de serre, il faut absolument travailler sur l'ensemble de la supply chain. Donc avoir une vision globale, et cette vision globale, effectivement, ça englobe les transports, ça englobe le design des produits, le packaging des produits. Donc il faut vraiment tout regarder pour avoir des gains et protéger l'environnement. Donc en fait, c'est surtout traité au niveau d'un schéma directeur. Il faut avoir une vision plutôt globale de la supply chain. Et pour avoir cette vision globale, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'humain, il y a les personnes qui vont traiter et développer pour gagner et protéger notre environnement. Et la deuxième chose, c'est la data, c'est-à-dire c'est comment je capte et j'utilise la data pour voir où j'en suis et pour voir ce que je veux gagner au final. Donc d'où l'importance de maîtriser la data et de maîtriser aussi la mesure. Et c'est Julien qui va nous présenter et nous dire comment Wakeo aide à mesurer et maîtriser ces flux. Effectivement, donc nous en tant que solution technologique, on va décomposer ce grand problème
de l'empreinte carbone de bout en bout, donc sur l'ensemble de la supply chain, en se focalisant sur une des parties du problème, c'est-à-dire le transport. C'est vraiment la zone d'expertise de Wakeo. Pour introduire le sujet, donc nous, on opère en tant que plateforme, donc logiciel SaaS, où on pilote les flux de transport intercontinentaux, comme je l'évoquais, multimode, maritime, aérien, routier, pour vraiment apporter à nos clients une vision door-to-door, depuis le point de départ, par exemple en Asie, jusqu'à l'arrivée en Amérique du Nord ou en Europe. Pour présenter brièvement la société, on est donc une société créée en 2016, avec comme principaux clients à la fois des industriels, des retailers. Donc ça, ce sont des sociétés qui expédient les marchandises. On accompagne par exemple Uniqlo au Japon, qui est un très grand faiseur bien sûr dans le textile, Air Liquide dans le gaz, Faurecia dans l'automobile. Et on les aide à gagner en agilité dans leur supply chain. Donc on sert clairement du levier de la data pour amener de l'anticipation sur le flux opérationnel et aussi piloter la dimension environnementale. Donc ce qu'on fait spécifiquement sur la partie environnementale, c'est que nous, on s'appuie sur des données qui viennent déjà des prestataires de transport. Si je prends l'exemple d'un Air Liquide, vous pouvez nous visualiser comme une tour de contrôle pour Air Liquide. On vient agréger toutes les informations qui remontent de leurs prestataires logistiques. Ça va être des compagnies maritimes, des compagnies aériennes, des transporteurs routiers. Et on amène cette vision de bout en bout. Ensuite, on ne se limite pas aux déclaratifs, puisqu'on s'appuie aussi sur des données indépendantes des prestataires qui nous permettent d'accéder à une géolocalisation en temps réel. Et on a notre moteur d'intelligence, nos algorithmes d'IA, pour anticiper les heures d'arrivée et faire du prédictif. Je l'introduis sur ces sources de données parce que c'est le point essentiel pour faire le lien avec l'empreinte carbone. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une mesure très fine, puisque ce qu'on vient faire, c'est vraiment mesurer, objectiver l'empreinte carbone, quel que soit le mode de transport et le prestataire utilisé. Et ça, on le fait grâce à notre produit d'origine, qui est un tracking des marchandises ultra granulaire, très fin. On va connaître les différents ports utilisés, vous pouvez en avoir une quinzaine entre Shanghai et Hambourg. On va connaître le poids de la marchandise, l'IMO, donc ce sont des caractéristiques du navire, et tout ça, on va venir le factorer dans un moteur de calcul qui, lui, est compliant avec des normes poussées par la Commission européenne et aussi par des groupes de travail sur l'empreinte carbone dans la logistique, notamment le standard du GLEC. Alors, c'est vraiment un premier niveau. On dit qu'on ne peut pas améliorer quelque chose qu'on ne mesure pas. Donc nous, on amène vraiment cette première vision qui est une mesure de l'empreinte carbone, quel que soit le mode, quel que soit le prestataire de transport. L'enjeu derrière, c'est d'être capable d'aller plus loin. C'est-à-dire, ok, je constate, je mesure cette empreinte à date. Demain, comment je suis capable de trouver des leviers d'amélioration? Et ça, c'est vraiment l'axe sur lequel on travaille aujourd'hui, puisqu'on a une information où non seulement on capte l'itinéraire réel du transport, mais on vient aussi l'enrichir, pas seulement sur le CO2. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des gaz comme le SOX, comme le NOX, donc vraiment plein de gaz qui sont comme le méthane, avec des particules beaucoup plus polluantes que ne peut l'être le CO2, et amener vraiment cette vision globale et très fine. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça change quelque part avec l'existant? Aujourd'hui, quand on accompagne des grands groupes sur le sujet environnemental, je pense à Air Liquide, je pense à Clasquin, qui est un grand logicien français, historiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur une donnée qui leur est poussée soit par des prestataires de transport, mais celle-ci, il faut savoir qu'aujourd'hui, les trois quarts des prestataires de transport ne fournissent pas d'indicateurs carbone. Déjà, le digital, c'est un premier niveau qui n'est pas toujours simple dans l'écosystème du transport. On a quelques années, si ce n'est décennies de retard. Mais quand on parle de l'environnement carbone, sustainability, on est encore plus loin du compte. Donc quand vous avez la grande majorité des prestataires qui ne fournissent pas d'indicateurs, c'est impossible au niveau macro high level d'un Air Liquide d'avoir un pilotage de cet indicateur. Ensuite, il s'appuie sur une mesure qui est faite de façon ponctuelle. Donc typiquement, des cabinets de conseil qui vont intervenir pour en fin d'année faire une mesure de cette empreinte et amener l'information, notamment pour les rapports financiers et les communications boursières. Bon, toute la difficulté, c'est qu'elle n'est pas dynamique, temps réel, cette info. C'est une photographie à l'instant T, et ça ne permet pas de trouver des leviers d'amélioration, d'optimisation pour faire du pilotage de façon proactive. Donc c'est là où nous, on amène vraiment cette vision
quotidienne où on peut faire un pilotage et on va s'appuyer demain, et c'est vraiment ce qu'on construit d'un point de vue produit, hein. Aujourd'hui, on mesure l'empreinte a posteriori. Demain, la direction qu'on prend, c'est de s'appuyer sur des data multi-clients. Aujourd'hui, on pilote des millions de flux, hein, à l'échelle annuelle, chez des Air Liquide, chez Uniqlo, chez Corteva, un gros groupe chimiste américain, chez Bibron dans le médical en Allemagne. Et donc, on veut s'appuyer sur toute cette data, l'anonymiser et amener une vision de marché où vous êtes capable de vous dire, je connais à l'avance, je peux anticiper les empreintes carbone. Et donc, l'indicateur sustainability devient un des points de décision. On ne va pas se mentir, hein, aujourd'hui, ce n'est pas l'axe numéro un des décisions de transport. Il faut être très franc là-dessus. Par contre, que ça devienne un des 3-4 critères de décision au même titre que la fiabilité du service, que le prix, que oui, la sustainability rentre et soit prise en compte, ça devient vraiment le sujet aujourd'hui de nos clients. Merci Julien. Comme tu viens de le dire, c'est la sustainability, ce n'est pas encore le critère numéro un, mais est-ce que tu as des exemples de clients qui l'ont vraiment intégré et qui ont utilisé Wakeo pour réduire cet impact? Et quels ont été leurs gains finalement à ce niveau-là, et peut-être d'autres gains, parce que j'imagine que ce n'est pas les seuls qui recherchaient. Est-ce que tu as des exemples à nous partager? Oui, à ce titre-là, le cas d'Air Liquide est assez parlant. Il faut savoir qu'au niveau du top management d'Air Liquide, il y a de façon assez classique, on le retrouve sur le marché, des engagements qui ont été pris il y a de ça 5-7 ans. Et nous, on a des équipes transport qui sont venues nous voir il y a de ça 2 ans et qui nous ont dit bah, le top management a pris de grands engagements. Aujourd'hui, on vient nous voir le transport parce qu'on est un très gros contributeur carbone et on nous dit qu'est-ce qu'on a fait depuis 5 ans. Et la réalité pour ces équipes, c'était qu'il n'y a aucun pilotage, parce qu'ils ne savaient même pas d'où ils partaient, donc c'était une boîte noire totale et un vrai challenge pour eux. Donc ce qu'on a mis en place, c'est qu'ils se sont appuyés sur notre technologie. On avait déployé depuis 5 ans chez eux notre produit d'origine sur le tracking et la prédiction des heures d'arrivée, donc ce qu'on appelle les estimated time of arrival pour la marchandise. Et on a ajouté cette technologie sur la partie sustainability, ce qui leur permet aujourd'hui, de façon dynamique, quotidienne, d'intégrer ces indicateurs. Ils vont l'envoyer directement dans la communication auprès de leurs clients. À chaque fois qu'ils vont livrer Siemens en aval de leur chaîne de transport, ils vont intégrer dans la facturation ce type d'indicateur CO2 qui aujourd'hui leur est de plus en plus demandé par leurs clients. Et bien sûr, ça alimente de façon régulière, d'un côté, les équipes financières pour les communications boursières, mais surtout leur propre pilotage pour être capable de se dire on prend en compte cet élément dans notre prise de décision. Et donc, on passe d'une stratégie où on constate, qui est très réactive, à une stratégie où on appuie concrètement sur des leviers. Donc ça va être quoi? Ça va être utiliser un mode de transport comme le maritime. Il faut savoir que quand on passe du maritime au routier, il y a un coefficient d'à peu près 10. Le routier est 10 fois plus polluant que le maritime. Et quand on passe à de l'aérien, on a un coefficient de 100. L'aérien est 100 fois plus polluant que du maritime. Donc c'est bien sûr lié à la massification, hein. Vous pouvez avoir jusqu'à 20 000 conteneurs aujourd'hui sur un seul navire, ce qui permet vraiment d'optimiser la capacité et d'être beaucoup plus efficient sur le plan environnemental. Donc la prise de décision sur le terrain pour les équipes d'Air Liquide, c'est de se dire on va faire des choix de route, d'engineering de transport qui sont différents. On va utiliser, ils travaillent sur la partie hélium, donc beaucoup au Moyen-Orient, ils utilisent énormément le port de Salalah, qui est un port stratégique sur cette zone géographique. Et ben, ils vont changer des routings, utiliser plus de navires, même si ça prend 2 jours de navigation de plus, pour justement répondre à cet enjeu environnemental. Donc c'est vraiment ce pilotage de la chaîne de transport de bout en bout qui vient s'imbriquer ensuite naturellement dans l'ensemble supply chain. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il y a une prise de conscience des CEO qui aujourd'hui, si c'est traité à haut niveau, ben on va prendre des décisions qui ne sont pas forcément uniquement basées sur les coûts, mais aussi basées sur, sur tous ces gains qu'on peut avoir et ces effets gaz à effet de serre. Enfin, c'est important aussi. Et à ce niveau-là, je pense que fondamentalement, il n'y a aucune entreprise, ou très peu en tout cas, qui aujourd'hui auront une démarche, une initiative purement environnementale. En revanche, il y a beaucoup d'investisseurs qui, sur les marchés financiers, je pense, ont une vision qui est très bonne, qui est de se dire, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, si on regarde une stratégie d'investissement d'un Warren Buffett, ce qui fait qu'une entreprise va se distinguer, va performer sur long terme, c'est l'alignement entre l'enjeu environnemental et l'enjeu économique financier de l'entreprise.
parce qu'in fine, c'est aussi ce que demande le consommateur en bout de chaîne. Et là, il y a une tendance de fond qui est très porteuse et qui, je pense, fait bouger les lignes. On l'a vu, ça a été accentué par le Covid. Le Covid, effectivement, a donné une prise de conscience encore plus et a accéléré les choses, effectivement, sur ce qui se passe actuellement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez éventuellement des questions à nous adresser, à Julien, à Eric, sur l'outil Wakeo, sur les tendances à la green logistique? Ne vous battez pas. On n'a que des gens timides aujourd'hui. Soit tout était clair, soit rien n'était clair. C'est ça. Je vais peut-être le répéter, la question, c'est comment se traduit un accompagnement conseil dans le cadre de l'utilisation de cet outil avec vos clients? L'accompagnement conseil est à deux niveaux. Un premier niveau, qui est un niveau plutôt schéma directeur, où on regarde comment faire fonctionner l'ensemble de ces flux et on regarde l'ensemble de la chaîne de la valeur de l'amont à l'aval. Après, complété à ça, il y a la data, donc on est obligé de générer la data et d'avoir un partenaire comme Wakeo pour nous aider à travailler. Et puis après, suivant les scénarios qu'on va faire, derrière, on va regarder quels sont les impacts directs. Et tout ça piloté par, comme disait Julien, une tour de contrôle associée. Donc pour mieux maîtriser, il faut absolument avoir une tour de contrôle. Donc exploiter la data et savoir exploiter la data. Et dans la complémentarité, c'est-à-dire qu'on apporte... Côté Wakeo, la solution technologique, le socle en termes de données, ce qui permet vraiment d'avoir les outils d'aide à la décision. Et ensuite, côté KPMG, c'est vraiment la dimension expertise accompagnée pour trouver des solutions d'optimisation, des leviers. Et c'est vraiment cette complémentarité qu'on met en œuvre. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut en rester là et... J'espère que vous aurez de plus en plus de clients qui viendront avec cette envie de réduire leur impact et qui utiliseront Wakeo dans ce sens-là. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Bonne journée. Merci.